La date de péremption des médicaments sert à donner une limite de l'utilisation et donc la recommandation, bien évidemment, est de ne pas utiliser des médicaments dont la date de péremption serait dépassée. Bien sûr que on ne va pas imaginer que le lendemain de cette date, le médicament, par miracle, soit complètement dégradé et qu'il n'y ait plus de médicaments, alors que la veille, il marchait encore. C'est comme si vous prenez un yogourt, s'il était échu hier, probablement que vous allez quand même le consommer aujourd'hui sans grand risque. Par contre, je ne suis pas sûr que vous oserez le consommer dans une semaine ou dans deux semaines. Les médicaments, c'est la même chose. Cette date limite d'utilisation, cette date de péremption, est là pour délimiter une période de temps au-delà de laquelle le fabricant ne va plus pouvoir garantir que le médicament est encore aussi efficace. Et on peut même avoir progressivement des problèmes de toxicité qui vont apparaître parce que le principe actif va se dégrader. Donc, je crois que la recommandation qu'on doit donner, c'est de respecter ces dates de péremption, de ne pas utiliser des médicaments qui seraient échus, mais évidemment avec quand même une mini-souplesse. Et si le médicament était échu hier, je pense que là, on ne va pas risquer grand-chose quand même. Mais je crois qu'il est de bon temps quand même de respecter globalement cette date de péremption le plus rigoureusement possible.